écoutés aujourd'hui. C'est parti, on reprend le fil de l'histoire principale. Bonjour monsieur. Au revoir monsieur. Je veux juste parler à quelqu'un avant. Bienvenue, voulez-vous vous reposer? Non, ça ira. Parce qu'en fait, je me demande si je dois parler, juste avant de reprendre l'histoire principale, je me demande si je dois parler à quelqu'un... Chercher des informations sur Weizen l'Agenté, le père de Célestine à Belfort. Mais, je sais pas. Progression 54,3%. Donc, d'après les pourcentages, on est à la moitié du jeu. Moi, je dirais plus qu'on est vers la fin, mais bon. Allez. Bonjour, en quoi puis-je vous... Mes aïeux. Lou, Lou, c'est toi. Tu es vivante. C'est ce que nous faisons, hein? C'est ce que nous faisons, c'est que nous faisons un métier à risque. Je me faisais du souci pour toi. D'ailleurs, en parlant de cela, je suppose que tu recherches des informations, c'est ça? Malheureusement, tu n'arrives pas au meilleur moment. Cela fait quelques jours que je n'ai plus aucun contact avec mes informateurs. Jeroa, l'éclaireur. Soit il s'est fait capturer, soit il fait profil bas pour éviter de se faire coincer. En tout cas, je n'ai aucune idée d'où il se trouve. Il y aurait bien un moyen de le savoir, mais... L'idée serait de tuer un ordiste et de fouiller le contenu de son cube. Je suis sûr qu'on y trouvera des informations sur Jeroa. S'il n'a pas encore été capturé, trouvez-le avant que l'ennemi le mette à l'abri. Et mettez-le à l'abri. Oh, décidément. Alors, les cubes sont rares. Du coup, je ne sais pas du tout quel nordiste pourrait en avoir un. Je crois que votre seule solution est de tuer des nordistes au hasard et de croiser les doigts. Bon, bah alors écoutez. Pour le coup, c'est reparti. On va de nouveau tuer des nordistes. J'ai personne à qui parler. Non, sur la carte, il n'y a personne qui semble vouloir me valider une quête. Bon, ben alors, c'est parti. Pour le coup, j'aurais dû faire ces... si j'avais su, j'aurais fait ces quêtes annexes bien avant... Enfin, en même temps, en fait, que ça. Parce que là, pour le coup, je vais devoir repartir pour tuer des nordistes. Bon, c'est pas grave, ça m'a fait XP. C'est pas grave. Allez, on continue. On va se rendre, pour le coup... Où est-ce que c'est le plus près? Je crois que c'est pareil en fait. On va se rendre au nord et on verra. Alors vous m'excusez, je vous snob. Quoique non, toi tu m'as attaqué, je te snob pas. Tu respectes. Oh les dégâts, je lui ai mis, regardez-moi ça. Tu respectes. Voilà. Oh les dégâts que je lui ai mis comparé à avant, mon dieu. Ah, c'est bien, ça prouve que vraiment ça sert à quelque chose d'XP. On commence à voir la différence. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'il y a des chargements... Pardon, j'ai l'impression qu'il nous montre de plus en plus Shuenze. Je sais pas si c'est le fait qu'on soit à Belfort qui fait ça, mais... Ou c'est peut-être moi qui divague, mais j'ai vraiment cette impression. Je vais peut-être sauvegarder aussi au passage, parce que j'ai pas sauvegardé à la fin de l'épisode précédent. Ici. Voilà. Oh, regardez. J'ai dit tu respectes. Si tu respectes pas, je te pète la gueule. Tu as compris? Viens ici. Voilà. Tu respectes. Alors, les nordistes, montrez-vous. Voyez encore Shuenze. Allez, c'est pas... Regardez. Je suis pas fou là, ça fait 3 fois qu'il nous le montre en 3 chargements. Bon, allez, c'est parti. Vous prenez cher maintenant les nordistes, hein. Maintenant que j'ai 2 niveaux de plus, ça fait vraiment la différence, hein. 3 niveaux de plus. Je me mets derrière pour essayer de leur faire des coups critiques. Pour ceux qui se demandent pourquoi je suis derrière à chaque fois. Allez. Bing. Bang.
Et tu respectes! Ah ben voilà. Oh parfait! Ça a été rapide. Alors, consultez un cube ennemi à la recherche d'informations sur l'endroit où se trouve l'éclaireur sudiste Jeroa. Localisez-le avant que les forces du Nord et mettez-le en détention préventive. Plan en marque soldat, broche de croissant de lune. Ok. Et... Ouais, d'accord. Et il est où? Ok, d'accord. C'est parti. Au passage, je vais peut-être lire le mail aussi. Nous avons capturé un espion des forces du Sud, mais il a réussi à s'enfuir. Il est en cavale au nord-ouest de notre position, il ne doit en aucun cas s'échapper. Il va pas s'échapper, je vais le mettre en détention. Alors, maintenant qu'on connaît la zone, plus besoin de s'arrêter, il faut juste passer par le haut. Ouais, c'est ça. Vous me laissez tranquille. Si vous me respectez, je vous respecte. Ah, toi tu respectes pas. Si tu respectes pas, tu meurs. Allez, oust! I can still take it. This is my power. Voilà! Non mais oh! Vous respectez! Bon, toi tu veux décidément pas respecter, hein? Alors, un truc qui guérit de gel. Là! Un chocolat chaud. This must be tough. I'll take it from here. Voilà. Count on me. Non mais oh. Alors vous, on va vite vous éliminer, on vous a déjà vu. Allez, bing, bang, boum, tu crèves. J'ai dit, tu crèves. Voilà. T'inquiète pas, il y en a pour toi aussi, je t'ai pas oublié. Par contre, ils ont une bonne esquive ces archers, hein, parce que les trois quarts du temps avec Célestine, elle loupe ses attaques. C'est assez surprenant en soi, mais bon, pourquoi pas, hein. Arrête de reculer, toi. Allez, tu meurs. Rupture de chaîne. Ah bah il est mort, d'accord. Parfait. J'espère que Zephyr recevra quand même un peu d'expérience même si elle n'est pas dans le groupe, parce que sinon ça va vraiment vraiment être galère pour lui faire rattraper son retard. Hein. Yes, I avoided the attack. Alors, hop. Capsule de guérison, c'est très bien. Toi, tu meurs. Voilà. Allez, tu meurs. Tu cherches pas à discuter, tu meurs. Voilà. Alors, le monsieur, il est où? Il est là-bas, normalement. Bonjour, bonjour. Jeroha,
You're Rue. What brings you here? Jiroha, I've been worried about you. I am relieved to see that you are safe. Hold it! Drop your weapons and surrender! Any resistors will be executed on the spot! We have no time to discuss this, I see. We have a lot to talk about, but can it wait until after we deal with the enemy that's right in front of us? Pas de soucis, suffit de demander. Oula, c'est vrai qu'il y a du monde. Ouh là là. Alors, allez, on va éliminer tout ce beau monde. Allez, il reste ici. Toi, tu meurs. Et toi aussi. C'est parti un peu loin, mais... Mais bon, j'étais un petit peu touché. Jamais que rien. Allez, Lou, à toi. Élimine-moi ce beau monde. Ce qui est chiant en fait avec les traits en cordon noir, c'est qu'ils sont vachement résistants. Du coup, on met 3 jours à les tuer. Allez. Kamehameha. Allez, passe à 4, s'il te plaît. 4 cannes de foudre, ouais, c'est bon. Right on. Pluie du ciel, électrique. C'est un nom absolument à chier, mais j'assume. This is my fate. Allez, à ciao, bonsoir. Recklessness. Voilà. Fatal mistakes. Do you understand? Prends les sous-sous. Ah mais t'es pas mort toi, tiens. Il y avait un renégat. Non mais oh. Genre. Ah, broche de croissant, plan de marque du soldat. D'accord. Jiroha, what in the world happened? The Northern forces uncovered my real identity, and then... Thank goodness you managed to escape. Yes, but my cube was stolen. I'm so ashamed. I'm grateful that is all that was taken. In any case, now that they know my face, I can't move freely. That's why I've been lying low. You came here because of the princess, haven't you? I've already caught wind of her abduction. Was she taken to the Sentinel Laboratory? Yes, exactly. Still, the reason behind why she was kidnapped is... Word has it that Shuenzite and Alex have had dealings. Is that true? Yes, we were told by the commander. Unbelievable. The enemy boss and our own top dog. We are on our way to rescue Princess Rusafilda. Before that, we'd like any information you have on the laboratory. The last time I snuck into the lab was a fairly long time ago. I'm sure there've been a lot of changes. Actually, it hasn't. Security got tight right after you carried out that information, but it's back down to a... Sneaking into the palace is simple. Go to the northwestern side of Belfort's urban area, and you should see the castle wall. There are a few statues standing along the rampart. If you destroy one of the statues, I forget which, you'll see... Here, I'll give you some whirlwind bombs so you can destroy the statue. I think it was probably the sta... I'll give you 3, but if you need more, come and see me. Bah, si c'est celle du milieu, ça devrait aller. I stashed some items under the other statues just in case, so feel free to use them. Jiroha, do you have the key for the door into the laboratory? You bet I do. This is the one thing that I made damn sure the Northern forces couldn't take away. Here. Oh, and about the pillars. Use this. My cube was stolen, but I managed to get this in exchange. This device will give you the ability to control the pillars freely. Ah, mais parfait. This is Northern Forces territory, so I think you'll need it. Hey, this is handy. With this, we'll be able to use the Northern Forces pillars as if they were our own. Jiroha, thank you. That's nothing. I'm just doing my job. You just make sure you rescue the princess. We'll do our best.
Please rest up and heal your injuries. Hurry. Bon, ben voilà, on va pouvoir enfin pénétrer dans le château. I heard about what you did on the island. Is it true? The island? Whatever do you mean? The villagers. You even converted them into sentinels. In exchange for my joining the Northern Forces, you promised that you would leave the Islanders alone! Did I know? If you're angry about the Sentinels, Elgar did that entirely on his own. I don't really know what he was up to. I'm leaving the Northern Forces! No matter how much you go on about how you're fighting for a noble cause, what you did is unforgivable! Now, now, Melissa. Don't get so worked up. It will all be over soon. All this pointless bloodshed will come to an end. It will also mean that you and Juto will no longer have to fight. Over soon? What do you mean? Very soon, you will witness a grand celebration that will usher in its end. What's wrong? All of a sudden, my chest. You're not looking well. Perhaps you should lie down and rest. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait plutôt? Response, hein? Well, she did last a long while. Son corps? Come at a more opportune time. Je me rappelais pas de ça. Bizarre. Ah, tiens, toi, tu as pas des informations sur le père de... Veizen? Vous cherchez Veizen l'argenté? Ah ben voilà. Alors. Do you know about my papa? Papa? Wait, are you Veizen's daughter? Come to think of it, he used to mention a daughter every once in a while. So you're Amare, huh? My papa! Where is he? Jiroha, do you know where he is? Please, tell me! I don't know his current location. He was in Belfort for a while, but he was taken away. But I think you can find some information on him if you go to the palace. I'm sorry, I can't be of more help. D'accord, ben c'est bon. Donc on fouille le laboratoire des sentinelles. Bah, je sais pas pourquoi, hein. Je me trompe peut-être, parce que là, je vous avoue, j'en ai aucune idée, mais... Ça m'étonnerait pas qu'il l'ait transformé en sentinelle. Hein. On verra bien, mais bon. Ah, au fait, j'avais gagné des pièces d'équipement. C'était quoi que j'avais gagné? Je me souviens même plus. Ah ouais, broche du croissant de lune. Parfait. Voilà. Allez, let's go. Direction le château. Donc on est bien d'accord? Ouais. C'est par là. Je suis désolé, j'ai pas de temps à perdre. Même si tu me respectes pas, j'ai pas de temps à perdre. Car j'aimerais avancer un petit peu. Non, 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 j'ai pas le temps. Oubliez-moi, j'ai pas le temps. Non, 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 j'ai pas le temps. Alors, trois statues, il a dit que c'était celle du milieu. This must be the place that Jiroha told us about. Let's try those whirlwind bombs. Bon, la cinématique est peut-être pas obligée, je pense qu'on avait compris, hein. Alors, peut-être reculer quand même. Hop.
Anneau de force, ok. Anneau magique, ouais. Qu'est-ce que ça fait? Enfin, combien ça donne exactement? Hop, le... Non, attendez. Anneau de force, attaque plus 15, ouais, effectivement. Et anneau magique, j'imagine que c'est l'esprit plus 15. C'est pas négligeable, hein, ceci étant dit. Esprit plus 10, bon, on va lui mettre esprit plus 15. Où est-ce qu'il est maintenant? Ou alors, non, je vais peut-être le garder pour Zephy, en fait. Ça compensera son retard. Voilà. Aïe. Ma tête. It worked. Hurry, let's get inside. Tu as le trou, dis donc. Let's move. Nous y voilà enfin. Toutes ces aventures pour ça. Et direction le château... non, pas le château d'ailleurs, le laboratoire. Bon, j'imagine qu'il va y avoir un combat de boss. Voyons voir, 20 minutes. Est-ce que je continue? Est-ce que je m'arrête là? Choix délicat, choix cornélien. Est-ce que je m'arrête là ou pas? Est-ce que je réserve le laboratoire? Eh ben non, vous savez quoi? Allez, on continue, on ne s'arrête pas. On continue direction le laboratoire. So this is the Sentinel Laboratory, huh? Yeah. This place has a completely different feel than the palace. Do you know much about this place? I spent some time here once. It's pretty hazy, but I have memories of it. I still don't remember everything yet. Let's go. Right. Just so I'm clear on this, are you sure it's a good idea to waltz into the enemy's home base when we can't use wizardry properly? The lab is underground, so we'll be fine. The effects of the seed fall shouldn't reach there. I see. In that case, we can throw everything we have at him. Y'a pas de problème, Grosselle. Alors, voyons voir sur la carte. Oula, ça a l'air balèze comme truc. Laboratoire 1, 2, 3 et 4. Ok, bon, bah écoutez. Je pense qu'on va y passer un bon moment dans ce laboratoire. Let's go! Allez, oust! Là, les ennemis sont déjà plus résistants ici. Hein. This is my power. Please stay back. Sometimes stubbornness can be quite fatal. Allez, oust! J'ai même pas regardé les cannes élémentaires qui étaient favorables ici, faut que je regarde. Alors, l'eau et la foudre. Donc, pour Célestine et. L'eau. Donc, c'est parfait. Très bien. Ok, donc je dois me rendre dans un premier temps ici. Allons-y. Eh, il y a une quête annexe, une quête. A l'aide, il y a quelqu'un, ouvrez cette porte. Aidez-nous par pitié. Un soldat de garde doit avoir la clé de cette pièce. Si vous nous aidez, je vous promets de vous récompenser, blablabla. Ok. Bon, ben d'accord. Allez, donnez-moi la clé. Je suis sûr que c'est toi qui l'as. Donne-moi la clé. This is just a scratch. Alors, ah, ça monte par là. Attendez,
Je comprends pas très bien le design du laboratoire. Bon, on s'en occupera après. Là, je suis en plein combat. Yes! Je comprends pas le design. Qu'est-ce qui... Pourquoi je peux monter? Ah, je peux rentrer dans le... Dans la sphère qui est ici. Cherchons la carte. D'accord, il faut vraiment la carte d'accès pour pouvoir ouvrir tout. Ok, d'accord. Bon, ben alors, cherchons la carte d'accès. Ici, je peux rentrer. Oula, pas mal de quêtes annexes apparemment ici, hein. Là aussi, quête annexe? Non. Yes, I have already been... Aïe! Où tu me fonces dessus comme ça, toi? C'est pas mal le plus 15% de vie, parce qu'avec tous les niveaux que j'ai pris, regardez, il est quasiment à 6000 de vie, le petit Juto. Ou devrais-je l'appeler petit Elgar? I'm gonna be strong. We're too hard. I'll take care of this. Peut-être vous, vous l'avez? All right, let's go. Et voilà. Et voilà. Don't overdo it. I have to take care of this just a lot. This is my fate. Allez, dégage, bing, voilà. C'est bien, on fait du leveling. Toi, t'as survécu là en bas. Y a pas d'autres soldats dans le coin, non. Bon, cherchons toujours la carte d'accès alors. Toi, t'es tout seul. Ah non non, c'est ah officier, c'est toi qui l'as la carte d'accès, c'est obligé. Non mais regarde, t'arrêtes de t'enfuir, tu viens te battre comme un officier, et un peu d'honneur. Viens ici, je te dis. Oh oh. I can still take... Allez, crève et donne-moi la carte. Et voilà. Carte d'accès acquise, parfait. Allez, on retourne visiter les lieux. Et ensuite on partira pour le laboratoire numéro 2. Quelle horreur, qu'est-ce que c'est que ce truc, mon dieu. On a l'impression que ça draine ce qu'il y a à l'intérieur. Ça draine, je sais pas, la vie de ce qu'il y a à l'intérieur. Pas aider les gens? Sérieux, on va le laisser crever là, la personne qui est là? Bon bah d'accord, alors laissons-la crever. Camonde d'acier, qu'est-ce que ça fait ça d'ailleurs? Alors, amélioration, voyons, camonde d'acier, qu'est-ce que ça fait? Attaque plus 15, défense plus 15, Juto! Juto! Ouais, mais en même temps, sans... plus 15%, vitesse plus 15, à la limite vitesse plus 15, est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est quand même pas mal ça, hein. Faut dire bon écoutez, pour l'instant on va laisser comme ça. Je verrai éventuellement quand j'aurai une nouvelle arme s'il n'y a pas moyen d'en équiper un troisième de cette nature là, on verra. Donc ensuite il y avait une quête annexe ici. Enfin, il y a une quête annexe. Bonjour messieurs. Yes.
Allez, oust! Too slow! I can see what you're doing! Allez, Kamehameha! Ta-d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 a! Tellement balèze cette attaque! Et voilà! Bon, apparemment, il n'y a pas de coffre. Si, il y a un coffre. Je te libère après, toi. Les trésors d'abord! La cupidité avant tout, qu'un monde de la passion. Balfour, qui es-tu, Balfour? Bonjour, Balfour. Sauvez mon épouse, je vous en prie. Je ne suis qu'un civil, mais je servais d'informateur aux forces du Sud. Je m'appelle Balfour. Il y a quelques jours, l'armée du Nord a découvert mon activité et on m'a emmené ici. Les nordistes réalisent d'ignobles expériences dans ce laboratoire, sur des sujets vivants. De tous ceux qu'ils sont venus prendre, aucun n'est jamais revenu. Ils servent sûrement de cobayes. Ils ont aussi enlevé mon épouse et il y a peu, ils sont venus la chercher. Dès qu'ils emmènent quelqu'un, ils disent que quelque chose comme activer l'unité de contrôle. Je vous en supplie. Si vous éteignez cette unité, il lui reste peut-être une chance. Ok. Bon, allez, blablabla. En fait, j'aurais peut-être dû lire d'un coup, là, je sais pas pourquoi. Oula, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, en fait, j'aurais peut-être dû lire. Alors, attends. On va... Journal des quêtes. Donc, pour sauver la femme de Balfour, éteignez l'unité de contrôle du labo 1. Vous avez 3 minutes. Si vous n'y parvenez pas, le temps imparti, vous aurez échoué. Bon, on va monter dans le labo 1 directement, alors. Hein. On va snobber les ennemis. Non, c'est par là. On snob les ennemis et on monte directement, tout simplement. Tu te calmes, toi, hein. Ah non, attendez. C'est là-haut que je dois aller. Non, là-haut, c'est pour la quête principale. Non, je rentre dans le labo 1 et j'éteins l'unité de commande. Voilà, allez. Voilà, unité stoppée. Maintenant, on peut tuer tout le monde. Allez, oust! Yes! Couché! Oh putain, il est parti trop loin, Dame Ned! Tu vas te prendre un Kamehameha dans les dents, tu vas voir. Tiens, prends-toi ça! Non, ça, je me dis toujours qu'elle a pas d'attaque à... Elle a pas d'attaque à 6. Je me dis ça à chaque fois. Voilà. Un topaz. Bon, très bien. Ah si, non, attendez. Topaz. C'est pour... ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ok, on va aller, j'imagine, la valider. Et ensuite, on va voir qui est cette fameuse personne qui voulait que je la libère, accessoirement. Pardon. Non, il faut pas que j'aille la valider. Elle est finie, déjà. Attendez. Information. Lorsque vous aurez terminé, retournez en informer Balfour. Ben alors. Il est pas là-dedans, Balfour? Il est plus là-dedans? Il est où? Ouais, j'aurais dû lire, parce que maintenant, du coup, je sais même pas où il est. Mais non, il est pas là.
Il est peut-être là-haut, tout simplement. Hein. On va aller voir. Il y a une quête à valider. Bon, je sais pas. Écoutez, on va aller voir. Elgar? Please don't kill me. I don't wanna die yet. What's with you? Why would he want to kill you? But Elgar is... You know about Elgar then? What are you talking about? Didn't you come here on orders from Xuanzai to execute me? Well, I am Elgar, sort of. But I don't have anything to do with Xuanzai. His name is Juto. He probably isn't the same person as the Elgar you know. What? You mean... your first Elgar? First? Now that he mentions it, Xuanzai did call you first, Juto. But I heard first had been disposed of. You're alive? Disposed of, huh? I lost my memory. It's starting to come back to me now, but only in fragments. Oh, so that's what happened. All of us were pretty sure that you had died. Who are you? I guess you haven't remembered me just yet. No. My name is Nix. I'm a researcher here in the Sentinel Laboratory. Partway through, I refused to continue the research, and I've been... You refused to continue development of the Sentinels? They... That technology must not be allowed to exist in this world. It's pathetic for a man like me to say that, when I participated in the research for money. I see. So you no longer work for the Northern Forces, then? The truth is, we are with the Southern Forces. The Southern Forces? What are the Southern Forces doing here? We believe that the Princess of Lonsheim was kidnapped and brought to this lab. We have come here in order to try and save her. Do you know anything about the Princess? Maybe. Do you know something? When I was being dragged away, I saw an extraordinarily beautiful woman being taken away by soldiers. At first, I thought I must have been mistaken, but now that you mention it, that must... Which way were they headed? Judging from the direction, I'd say they were going to the Central Laboratory on the second underground level. Central Laboratory? As I recall, I don't think you can get there without activating some kind of device. Yes, that's right. So you remember. To get to the Central Laboratory, you use the warp device. But you can't use the warp device unless you first activate the electrical generator that's in the lab. Don't worry, I know how to work it. I'll help you. Nix, thank you. Let's hurry! Ok, oula, ça en fait du... Ah bah tiens. Ah non, citadin, merci mille fois de nous avoir sauvés. Nous sommes de Belfort. Un jour, ils ont débarqué et nous ont kidnappés. Nous étions plus nombreux avant, mais régulièrement, ils viennent en chercher un ou deux. Pour nous enfuir, il va falloir tromper la vigilance des soldats du Nord. Ok. Et toi... Ah, toi, tu es Nix. Pourquoi t'as un point? Nous sommes au premier niveau du laboratoire. Comme la production de Sentinelle a diminué ces temps-ci, il n'y a que peu de personnel. Le niveau 1 se divise en 4 labos. Au fond du quatrième, un téléporteur mène au niveau inférieur. Pour utiliser le téléporteur, nous devons activer le générateur du labo numéro 4. Pour des raisons de sécurité, le générateur ne peut être activé qu'avec une clé spécifique. J'en possédais une, mais je l'ai mise dans mon coffre avant d'être emmené ici. Et elle est dans le laboratoire numéro 2, ok. Mon coffre se trouve dans le laboratoire 2, voici la clé qui vous permettra de l'ouvrir. Bon, bah on va déjà sauvegarder, ce sera une bonne chose de faite. Ici. Voilà.
Voilà. Et les amis, on va s'arrêter ici et on continuera donc l'exploration du laboratoire des Sentinelles dans le prochain épisode. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Donnez-moi vos impressions un peu sur tout ça. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de cette aventure. Salut, salut!